Ah, c'est... Putain, mais va trop vite, le Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard. Alors oui, oui, du Call of Duty Vanguard, donc ne quitte pas tout de suite la vidéo parce que effectivement, il y a un truc de ouf qui est arrivé sur Call of Duty Vanguard. Mais surtout, avant tout ça, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification et de défoncer la barre de like. Je sais, c'est du Vanguard, certains n'apprécient pas du Vanguard, mais moi ça me soutient personnellement, ça m'aide et en même temps, cela me rend... de joie, ça me remplit de joie, vraiment. Chaque like que vous lâchez, ça m'aide énormément. Donc, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous jouez encore à Call of Duty Vanguard. Il faut savoir que la saison 3 va bientôt sortir sur Call of Duty Vanguard et en plus sur Call of Duty Black Ops Cold War. Donc, on va avoir du contenu sur les deux Call of Duty et en plus de Call of Duty Warzone. Mais un nouveau mode est sorti il y a une semaine de cela quand je me suis un peu réintéressé à Vanguard qui devient de mieux en mieux. Faut quand même le dire, quand quelque chose est mauvais, faut tout de suite le mettre en avant. Quand quelque chose de positif sort, il faut aussi le mettre en avant. Et le jeu commence à devenir plutôt bien enfin équilibré, malheureusement ils auraient dû faire ça dès le début du jeu, c'est un... Mais un nouveau mode est sorti, le mode détecté. Et en quoi consiste ce mode détecté? Ce mode détecté, en gros, c'est un mode auquel il y a un radar actif et sans strike. Et là tu vas me dire, comment ça sans strike? Ça veut dire que tu n'as pas de drone, tu n'as rien du tout et que tout le monde peut être vu sur la mini-carte. Même si tu possèdes fantôme, tu es vu sur la mini-carte. Et également, tu as une sorte de vue perçante pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde te voit à partir d'une certaine distance en rouge. Mais la particularité de ce mode de jeu, c'est qu'il n'y a pas de skill base match making. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, c'est même magnifique. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi c'est magnifique? Parce que tu peux monter tes armes sans forcément que ça tryhard à mort en face, que tu te prennes des strikes. Si t'es là juste pour monter les pires armes du jeu et que tu sais très bien qu'en jouant en normal, tu vas forcément tomber vs des barres, vs des MP40, peu importe les armes surpuissantes et que toi, t'es en train d'essayer de monter, je sais pas, la PPSH ou la Sten pour tes camouflages, bah c'est juste horrible en fait. Et pour ceux qui me connaissent, moi, je suis un tryhard de base, d'accord? Je suis un tryhard, je suis là pour chercher les nucléaires, ce genre de gameplay, des 100 kills, 150 kills, mais j'aime bien jouer aussi avec les autres armes, j'aime bien également débloquer les autres défis. Et le problème, c'est que quand tu as 3-14 de KD, tu vas souffler, ouais, vraiment, tu souffles, c'est très 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 frustrant, parce que généralement, tu vas affronter des mecs qui ont 2-8, 2-5 de KD, et tu vas essayer de jouer avec des armes beaucoup moins fortes, et vous savez dans ce jeu que si à partir du moment où tu joues avec une arme qui est déjà pas forte, et que t'as déjà pas les accessoires, tu vas subir. Honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir et je vous recommande très fortement ce mode de jeu si vous êtes là pour monter vos armes. Et de toute façon, vous allez voir au niveau des deux bons petits gameplays que je vous ai proposés. Putain, j'arrive plus à faire ce move. Non mais l'allié était con aussi, gros. Tu sens qu'il n'y a pas des... Ok. Faut que... Ah, attends, il y a encore le auto-leveler de tout à l'heure. Il est okay. Avec nous. Deuxième. Tellement personne dans le mode en fait que... Ouais. Il y a bien le monde là. Attention. C'est dangereux. C'est très dangereux là. Sanguinaire. Monsieur le V12, qu'est-ce que tu fais là? C'est Ted. J'en ai pas un. Il y a un mec à ta gauche encore. Ouais, mais attends. Tue-le. Ah non, putain. Ah, je pouvais pas là, j'ai trop peu de mun et je voulais pas trop push. Bah en fait j'étais bloqué là, j'étais obligé que tu sens que j'étais mort. Grave. C'est que je suis en train de les défoncer. Non, moi aussi, ils sont vraiment pas ouf. Ah, j'ai failli mourir là. Une fois mort, hein. Non mais... Comment je suis en vie ? Fasses attention là. Faut que je recharge. Pardon ? Ah, attends. Ouais, d'accord. J'ai rien à dire. Et là même avec le drone, bon, c'était bizarre ça. J'étais à 2 kills nuke. J'étais en train de les défoncer. Oh, oh la moins 3. Ils sont pas bons, hein. C'est juste qu'ils sont un peu... Les deux, mais du coup on peut pas l'avoir.
On peut pas l'avoir. J'ai eu Atomic, j'ai pas la V2. Ah, on peut pas? Non, on peut pas. Mais du coup, t'as la médaille en soi, donc tu t'en fous quoi. Ouais, mais bon, c'est la V2 qui est plus important. Pas la balance. En plus, c'est juste un mode pour monter, tu vois, un peu les armes tranquilles, un peu plus chill quoi. Non, mais la médaille nuque compte en vrai. Du coup, t'es pas la V2 en soi, tu t'en tapes. Bah, tu veux quand même la V2, tu veux quand même montrer aux gens que voilà. Ouais, t'as pas la bombe, mais. J'avais oublié qu'il y avait un trou ici. Putain, mais y'a des mecs chez nous en train de swanky là. On va les tuer. Oh, le gros coup de lag que j'ai eu. Ouais, ça lag hein. Moi j'ai eu quelques frises déjà. Là je suis en train de les enchaîner. Bon, je vais aller prendre ton bac parce que là ça commence à être la merde. Ouais, là ils veulent tous ma peau là. Ah ouais, essaye de reculer parce que là tu vas être dans la merde. Ouais, c'est bon, je suis en train de reculer. Essaye deux poches pour t'aider. Double kill. Ouais, on va commencer à très vite se barrer là. Ça commence à devenir un peu chaud là. Oh, il y a le pseudo asiatique là, à chaque fois il est en train de me pré-shoot. Hein. Ok. J'ai l'impression que je suis en RB. Hein. Ah, les mecs, t'as vraiment l'impression qu'ils sont moins forts. Non, mais ils sont vraiment moins forts. Hein. Oh putain, je suis trop con que j'ai rushé les 5. J'ai l'équipe de 5-6 qui sont venus me chercher quoi. Ah, j'ai. Ils voient YouTube, mec, les 3 quarts du temps, ça. Qu'ils me connaissent ou pas, ils vont très vite aller me chercher. Hein. Non, mais c'est incroyable. Ils regardent même pas leur map, mec. Ouais, des fois ils regardent pas, ouais. Temps. Non, tout le temps non, parce qu'on a certains qui savent quand même un minimum jouer. Je te jure que moi je les trouve vraiment à chier. Hein. Ah mais ils sont pas ouf. Je pense que c'est le meilleur lobby que j'ai eu. Gros, je suis en train de les défoncer, c'est un truc de fou furieux. Hein. Moi je les défonce vraiment, mais beaucoup beaucoup là. C'est n'importe quoi là ce que je suis en train de leur mettre depuis tout à l'heure. Double nuque. C'est n'importe quoi. Non, franchement c'est n'importe quoi. Hein. En plus le ça truc rouge. Aucun sens, hein. Quand tu vois le truc rouge en plus à des milliers de kilomètres. C'est trop. Oh là là, oh là là, mais si je mettais ça, oh non, c'est trop. Tu veux pas venir un peu? Ouais, non, mais ça se voit. T'as vu les niveaux 1 là dans la game? Y'a 3 niveaux 1 dans la game. Ouais, mais je t'ai dit, pour moi, y'a pas. C'est un mode sans SB même. Ou alors y'en a, mais vu qu'il y a tellement personne dedans, tu vois. Le jeu a du mal à trouver des lobbies quoi. Possible aussi. Nucléaire. C'est bon, ouais, je l'ai. Gros, c'est n'importe quoi. J'ai fait de la double. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, moi, j'ai fait de la triple. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est plaisant. Je m'amuse. C'est trop bien. C'est tellement plaisant. Ah bah là je trouve c'est trop. Genre y'a... Ouais non moi je trouve pas. Là j'ai vraiment l'impression d'être en RB. Hein. Je suis en super masto là. J'ai jamais été sur RB mais... Ah dommage. Je peux s'imaginer le RB hein. Vraiment hein. Par contre c'est chiant, y'a vraiment pas la médaille, la bombe atomique quoi. C'est ultra fun. Je peux rush. En fait je peux rush en étant sûr de gagner mon duel quoi. C'est incroyable. En fait c'est ça qui est cool, c'est que tu peux te permettre de rusher. C'est ça l'avantage de ce mode.
C'est que contrairement aux dominations ailleurs, etc., quand tu vas taper tes doubles nucléaires, généralement tu tryhardes vraiment. Tu vas chercher tous les glitches possibles, tu vas camper, etc. Tandis que là, vraiment, tu peux te permettre de rusher. Voilà, après avoir joué plusieurs heures dans ce mode, pour terminer dans ce verdict, le mode est super cool, il est super fun. Pas de SBMM, là effectivement, lors des gameplays, on jouait à partir de 3h du matin, donc très souvent, tu vas quand même affronter quelques personnes qui ressemblent, c'est un peu normal, étant donné qu'à 3h du matin, il n'y a pas grand monde qui va jouer, et encore moins sur Call of Duty Vanguard. Mais en matière générale, le mode est une très grande réussite et quelque chose de très positif. Un petit point négatif de nouveau, c'est qu'il n'y ait pas la bombe nucléaire, mais d'un côté, si tu es là juste pour monter tes armes et pour être tranquille, tu n'es pas là pour chercher ta bombe nucléaire. C'est toujours un petit bonus, certes, mais tu es là pour autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out! Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.